être une première, Lolo, cette carabine? Ça, c'est la première. Elle est encore plus sale, celle-là. Mais il faut un début à tout, hein. Allez. Voir ce que ça donne. Pas mal, on a la R8 dans cette RM, le réglage 300 mètres qui est simplement parfait. Ça, c'est avec la première, la mienne, et ça, c'est celle de Laurent. Pareil, même distance, 300 mètres. Laurent fait un tir et un test de contrôle qui est juste là à 300 mètres. Je pense que ça devrait être mort. Allez, les garçons, maintenant c'est parti, on va à la chasse. Regarde un peu, mais hein. Ça, c'est pour toi ce soir. Déjà, pas mal d'animaux. C'est un beau mâle. Il a la corne de gauche cassée, mais on a déjà vu pas mal d'animaux. Ça fait à peine une heure qu'on est parti. On est impeccable. On continue. Là, on a un joli groupe. Tout le plateau qui est devant. Il y a au moins une centaine de bêtes. Ce matin, on est quasiment à 170 animaux vus différents et environ 25 gros mâles de plus de 6 ou 7 ans. La zone est intéressante. Et là, on vient d'en repérer un qui est particulièrement gros en taille. Bon, il y a une chier de distance, hein, il y a plus de 2 km. Je pense que c'est un animal qui doit être intéressant, mais vu la distance, c'est quasiment impossible à voir ce qu'il a sur la tête. Et c'est quasiment impossible d'approcher parce que d'ici jusqu'à ce groupe, t'as au minimum une centaine d'animaux dispatchés dans toute la plaine. C'est incroyable. Et puis il y a quand même de sacrés beaux mâles. Des très très grands trophées. J'espère qu'on aura la chance d'en approcher un à portée. Tu sais même pas où regarder, tellement il y en a. C'est dingue. Et 8 ou 9 mâles. Quand on arrivera sur le top, les animaux normalement sont derrière. T'as du mal à souffler?
mal à prendre l'oxygène. T'as pas l'air en forme, toi, frère. Ça va pour l'instant. Celui qui a la tête qui est levée. Attends, il y a l'autre qui arrive devant. C'est lui qui a la tête baissée en deux. Il y a l'autre qui est devant de cul. Et celui qui se met à manger maintenant. Ok. Quand tu veux. Tête levée. T'es passé au-dessus, recharge. Ah bah là on vient d'avoir une belle occasion. Les animaux 250, ils se décalent un petit peu, 260, 270, puis 280 mètres. Il y en a un qui lève la tête. Et je dis à Laurent de tirer, malheureusement, la balle passe juste au-dessus. Je sais pas pourtant le calage était bon. Mais comme quoi à la chasse, il n'y a rien qui est gagné. De refaire de nouveau une belle approche, je l'espère, sur un nouveau groupe avec un bon mâle. C'est vrai que les mouflons ils avancent, donc les guides ils vont de long voir sur le rêve, mais on croirait rien, ils y sont pas. Il faut passer par en dessous et carrément contourner la bosse. Ils sont trop pressés de les voir, ils risquent de leur taper dedans. Mon Lolo. Oh putain, viens, 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 viens. Il y est. Attends, attends. Il y est, il y est, il y est. Il y est. Bravo. Oh putain. Eh. Hey. Oh dis. Il fait un froid. Oh, il fait un froid, il y a une heure. Oh. Là. Le stress que j'avais il y a une heure, j'en ai raté. Hein. Là, c'est un rêve. Quand tu peux pas le faire. Puis quand tu peux pas. J'ai dit, j'ai failli pas venir. Oh, regarde par quoi, mec. On a tiré un bel animal. Mais comme... Oh, attends. Oh, maman. Oh, ça l'aide, tu vois. Merci. Félicitations. Ah, félicitations. Super, les garçons. Bravo. Attends. Oh, magnifique, super. Vraiment, je suis vraiment... Et tu vois, regarde. Tu vois, quand il commence à ressortir comme ça, là, à l'extérieur, Laurent. Bon ben écoute, on a fait un super animal. Là c'est vraiment, ben, c'est le rêve de beaucoup de chasseurs, tu vois. Ça arrive pour moi un grand moment d'émotion. Je suis encore sous l'émotion là, parce que c'est vrai que c'est vraiment pas évident. Voilà, des bons moments de chasse partagés. Merci encore tous les deux. Un grand plaisir aujourd'hui. C'est vrai que un Marco Polo, c'est pas rien non plus, c'est un voyage et c'est surtout un animal mythique, incroyable d'Asie centrale. Et aujourd'hui, ce soir, on a eu la chance de prélever ce super bélier, mon Lolo. Merci mon pote. Allez, il va falloir le ramener cet animal maintenant. Maintenant, c'est pas le tout parce que là, on n'est pas rentré encore. On est au troisième jour de chasse, on a vu beaucoup d'animaux. Aujourd'hui on repart encore pour une belle journée à cheval et puis on espère que ce soir on va revenir avec. On en a vu trois ce matin complètement derrière à plus d'un kilomètre. Donc on part à cheval, là. Les chevaux sont prêts, il n'y a plus qu'à aller. Voilà.
au sommet de la combe. Malheureusement, il y a quasiment un kilomètre. Il y a un gros mâle qui est en dessous, qui se déplace à gauche. L'attaque de neige qui est déneigée. Regarde, il y a plein de points noirs dessus. Ouais, ben, ils sont là. Et le mâle, c'est celui qui est le point noir sur la neige juste en dessous. Tony est parti voir. Marco Polo, il a une mauvaise balle. Je vais essayer de le retirer. Je monte sur l'arête là. Il est là, juste en face. Allez, Matt. Je crois que j'ai assumé mon boulot de guide de chasse. Ce Marco Polo qui nous a donné tant de mal. Et tant de fils à retordre. Purée Vincent, il est là ton animal. Non, elle est parfaite. Elle est dans la patte. Elle est dans la patte et elle arrache la moitié du sternum dessous. Tiens les becs. Tiens la bec. En kirghiz, on dit armat pour dire merci. Donc armat. Good guy, c'est vraiment un bon guide, jamais faire la tête, jamais. On peut lui faire un bisou même si. Non, il n'aime pas les bisous. Ah, ça y est, on veut quand même. Yes, Marco Polo. Allez, on va au résultat. Allez, Payet, allez. Allez, on va voir le Marco. Quel animal incroyable. Ça fait des jours qu'on l'observe, ce Marco Polo. Quelle base. Il est même pas lâché. C'est avec ça. Merci en tout ce que tu as fait dans la nature. Une grande chasse. Une grande chasse qui va avec un grand trophée. On a réussi cette chasse grâce à nos deux guides locaux qui connaissaient parfaitement leur territoire. On a la chance de tirer ce superbe animal. Tchanabek ? Allez ! Il y est ! C'est tôt, hein, et puis c'est froid surtout. Mais on a du courage. Quelle heure est-il? Il est 6h30, 6h30. Et on va là-bas au fond, on va tirer l'ibex. Et on a vu un bel ibex, 1m10 je pense. On va voir si on arrive à le trouver. Soleil là-bas.
centimètres. Attends un peu parce qu'ils sont en mouvement. Tu le vois le mal qui est en plein milieu. Il est tout profil, la tête à gauche. Il nous regarde. Je vais te dire si c'est lui. C'est lui. Ils sont deux mâles l'un à côté de l'autre. Tu mets la croix dessus, t'appuies sur le bouton, ça corrige, et tu mets le point rouge dessus, et c'est quand tu veux. Yes. Je crois que t'as déjà fait des tirs dans ta vie, mais alors celui-là... Oui. Il est joli, il enroule bien, c'est pas un monstre, mais c'est un bel animal. Tu peux être fier de toi, en tout cas moi je suis fier de toi. Dieu merci. Merci. Tu le prends où, à nous, colonne? Base de colonne? Ouais. Ouais. On rentre à la maison après une super matinée, mais alors d'enfer. Et quand je dis d'enfer, c'est d'enfer. Et ça c'est quand même assez original, parce que des yaks c'est pas forcément évident d'en tirer lors d'un séjour de chasse, et celui-là il est particulièrement énorme. Il est pas si mal là, alors attends. Quelle distance? 240 mètres. T'es bien bien calé? Ouais. Tu peux y aller si t'es bien. Ouh, la balle est parfaite. Tu peux essayer de lui en mettre une. Elle est parfaite la balle. Essaye de lui mettre au cou si tu y arrives. T'as le temps. Ouf. Les deux balles, elles sont parfaites, Vincent. Mais t'as vu ce monstre? Et la première balle, il la prend pourtant. Mais la première balle, écoute, elle rentre. Et t'as vu, quand je te disais que ça bouge pas, il craignait rien. C'est... La première balle, elle est parfaite. Elle est parfaite, mais il a aucune réaction. 250 mètres, elle marche bien la carabine. Voilà, qu'est-ce que c'est beau. C'est peut-être pas la plus belle chasse, mais c'est un animal impressionnant quand même. Mais quand même à 100 mètres, je faisais pas le rigolo. On dirait un buffle, mais en fait, c'est ni plus ni moins qu'un bison. Ouais.
Ouais, c'est le croisement entre... Ah, tiens. Et regarde cette bosse. Ouais. Ça, c'est vraiment... C'est tu vois un gros et un vieux mâle. Poil blanc en plus. Et regarde, il a toute la ligne comme les ânes. Merci, Anthony. Vis notre prochaine expédition, abonne-toi et active la cloche.